Les progrès fantastiques de l'aéronautique ont fait de cette deuxième moitié du XXe siècle l'ère des congrès internationaux. Le monde évangélique n'est pas en reste. Après les congrès mondiaux de Berlin et surtout de Lausanne en 1974, c'est au tour de l'Afrique francophone et Madagascar. Certes, les leaders africains qui ont lancé l'idée de cette consultation n'avaient pas l'ambition d'un grand congrès international. Mais face à l'isolement des églises francophones, il s'agissait de se rassembler pour réfléchir sur la meilleure manière de se connaître, de s'entraider pour sortir de cet isolement. Mais laissons Titieu nous, l'un des organisateurs, répondre à la question. Une consultation, pourquoi? Pourquoi donc une consultation? Et pourquoi une consultation spécifiquement réservée aux dirigeants des églises d'Afrique francophone? Je crois tout d'abord qu'il faut dire que pour nous, l'heure de la solidarité agissante a sonné. Nous sommes éparpillés les uns et les autres dans les divers pays d'Afrique francophone et nous sentons les uns et les autres le poids des responsabilités qui nous écrasent et souvent, en parcourant les pays en tout cas, nous nous rendons compte que tout le monde souhaiterait partager un peu ces fardeaux avec d'autres. Qui d'entre nous ici ne serait pas heureux si les autres qui sont autour de nous pouvaient nous aider à partager les fardeaux que nous avons? Donc l'heure de la solidarité agissante a sonné. C'est ainsi qu'après des mois de préparation active, des incertitudes de toutes sortes, 42 délégués de 17 pays se sont retrouvés dans le cadre paisible du centre Monseigneur Chapouli à Abidjan. Un des obstacles de taille qu'il fallait surmonter était bien sûr le coût des billets. Au moment d'exprimer la nécessité de s'entraider et de ne plus toujours compter sur l'extérieur, il était important de trouver dans nos pays francophones une part importante du budget. Grâce à Dieu, une bonne partie des fonds a été récoltée dans les églises qui ont répondu à l'invitation. Levons-nous et bâtissons. Toutes les discussions et les résolutions, toute cette consultation peut se résumer par ces mots. Mais c'est le pasteur Daïdanso du Tchad qui donna à ce mot d'ordre toute sa sève biblique. Laissons-lui la parole. Néhémie se trouve loin de son pays, de la ville de Jérusalem. Et là, il reçoit la visite de ses frères et demande des renseignements. Je crois que les questions que nous nous sommes déjà posées depuis notre arrivée, depuis notre rencontre, nous replacent déjà dans le contexte de Néhémie. Nous nous sommes posés des questions. Nous avons reçu des réponses. Quand Néhémie a reçu la réponse de Hanani et de ses quelques autres frères, il y avait quelque chose qui s'était passé en lui. Il s'est assis. Ensuite, il a pleuré. Ensuite, plusieurs jours, il fut dans le deuil, dans la désolation. Pleurer, peut-être les nouvelles que nous avons reçues n'ont pas encore fait pleurer quelqu'un parmi nous. Je ne sais pas si en tant que responsable d'église ou responsable d'une œuvre, la dernière fois où chacun de nous a pleuré, et je n'entends pas des mimes de pleurs, mais réellement pleurer, cela fait combien de temps? Peut-être un jour? Une semaine? Des mois? Des années? Peut-être jamais de votre ministère vous n'avez pleuré. Je pense qu'il y a une place pour les larmes dans notre ministère. Si nous regardons derrière nous, certaines choses ne se sont pas faites dans le passé, c'est que nous y sommes pour quelque chose. Alors, le chemin du démarrage ou du redémarrage passe par l'humiliation. Après le temps donné par cet exposé auquel nous allons revenir, il n'était plus question de chercher des excuses. Lucidement, les délégués ont fait l'inventaire des manques, des lacunes, des erreurs commises.
L'essentiel de ce travail s'effectua en commission. Trois groupes de travail se sont répartis la tâche. Parmi les têtes de chapitre traitées en groupe, relevons quelques-unes de ces difficultés. Manque de travail d'ensemble, manque de vision, manque de travail de suite, manque de moyens, manque de connaissance du milieu, manque de formation des responsables, manque de collaboration église-mission, manque d'enseignement et manque de discipline. Face à tous ces manques, dit le rapport, le réflexe est de chercher ailleurs quelle organisation peut aider. Or, il nous faut d'abord compter sur Dieu et savoir employer les moyens du bord. Néhémie n'est pas seulement un responsable, mais il est un homme de vision. Ce qu'il a entendu de ses frères, ce qu'il est allé voir sur place dans Jérusalem, il transforme tout cela en vision, et c'est cette vision qu'il a lui-même qu'il va communiquer à ses frères qui sont sur place. Le lieu de nos travaux se trouve dans nos églises, certes. Mais ici, nous sommes sur le champ des difficultés déposées devant nous sous nos regards. La difficulté de la réflexion ensemble, d'accepter de se remettre en cause dans son ministère jusqu'aujourd'hui. Pour prendre peut-être un autre point de départ, fondé sur de nouvelles résolutions, le tout part d'un constat. Voyez dans quel état nous sommes. Avons-nous des yeux pour voir dans quel état nous sommes? Ouvrons-nous suffisamment les yeux pour voir? Si Néhémie a pu parler ainsi, c'est qu'il a ouvert les yeux. Nous, responsables d'église d'Afrique francophone, est-ce que nous ouvrons suffisamment les yeux pour voir, non pas seulement notre intérêt, ni l'intérêt de notre église locale, mais l'intérêt de l'œuvre de Dieu en Afrique francophone? Quelles sont ces souffrances? Quelles sont ces difficultés? Donc, un constat, Jérusalem est détruite. Ses portes sont consumées par le feu. Et vous savez que dans ces temps, la muraille d'une ville constituait sa force. Et une ville sans muraille, c'est une ville exposée à toutes les humiliations possibles. Sommes-nous entourés de murailles? Ne sommes-nous pas souvent trouvés dans la désolation de ne pouvoir accomplir quelque chose parce que les moyens nous manquent? Ne sommes-nous pas trouvés quelquefois et souvent dans le besoin de faire venir un frère pour une campagne d'évangélisation, mais l'argent manque? Face à ces souffrances, à ces manques, face à cette vision réaliste de la situation actuelle, qu'est-ce que propose cette consultation? Quelles idées pratiques, applicables sans délai, ont été avancées? Écoutons la voix de notre tchadien, celle du pasteur Abel Ndjarirou, qui devait établir à mi-parcours de la consultation une sorte de bilan provisoire. Comment utiliser ces moyens humains? Nous avions aussi réalisé qu'il est à encourager d'inviter des pasteurs d'autres pays pour des retraites spirituelles et des campagnes d'évangélisation. Il faut dénoncer le complexe de pauvreté qui consiste à dire « Nous sommes pauvres, nous ne pouvons pas faire cela, nous n'avons pas d'argent. » C'est un complexe à dénoncer et à abandonner. Pourquoi ne pas appliquer tout de suite, sur place, pendant la durée même de la consultation, l'idée simple et concrète d'échanger de ministère? C'est ainsi que le dimanche 13 avril restera une date dans les annales des églises d'Abidjan. Le matin, les délégués furent invités dans un bon nombre de paroisses des diverses dénominations de la ville pour prêcher ou apporter de nouvelles de leur pays.
et pour que les délégués puissent mieux faire connaissance avec les diverses œuvres interdénominationnelles actives dans la capitale ivoirienne, une exposition avait été aménagée. L'après-midi de cette même journée, le comité Logos pour l'évangélisation avait mis sur pied une rencontre qui devait mieux que bien de discours montrer la valeur de la stratégie qui consiste à inviter des évangélistes d'autres pays. Qui aurait pu dire que le pasteur Makanzu, qui fit cet après-midi-là si profonde impression par son message, devait bientôt quitter ce monde? Mes amis, cela s'est passé. C'est parce que aujourd'hui, nous jouissons de la grâce de Dieu. Quand notre Dieu trois fois saint a vu sur la croix du calvaire le sang précieux du Fils de Dieu est en train de couler, est en train de ruisseler sur ce bois maudit, ce sang-là de la grâce, cette vie sacrifiée du bien-aimé Fils de Dieu, a obligé notre Dieu de s'asseoir sur le trône de la grâce. Et là, sur le trône de la grâce, il y a encore un peu de temps pour pardonner les péchés. C'est pour cette raison que vous vivez encore. C'est pour cette raison que je vis encore. Je jouis de ce temps de la grâce parce que Dieu est assis sur le trône de la grâce. Mais mes amis, cette situation ne continuera pas. Nous venons de lire qu'il y aura la dernière trompette qui va sonner. Pourquoi la dernière trompette? C'est pour que notre Dieu change de trône. Il va maintenant s'asseoir sur le grand trône blanc. Et là, on ne peut pas pardonner les péchés. C'est le trône de jugement. Quand Dieu est déjà assis sur le grand trône blanc, Dieu parle. Mon fils Jésus, le temps de convertir les incrédules a pris fin. C'est pourquoi la parole de Dieu nous conseille, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça, c'est la redoutable. Ça, c'est la impardonnable. Après la mort, Dieu n'a pas réservé une place où vous pouvez régler vos affaires avec le Seigneur. Il nous a donné une seule vie. Quand tu rates cette vie, quand tu joues avec cette vie et que tu as dépensé ta vie, tu ne connais pas le Seigneur et tu meurs sans avoir été sauvé, tu es dans les tourments, dans les angoisses. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que d'une voix, nous puissions dire, levons-nous et bâtissons. Mais vous savez que se lever et bâtir, ça exige. Parce que désormais, il faut que chacun fasse réserve de suffisamment de force. Et quand on sera debout, il nous faudrait encore peut-être davantage de force pour prendre la brique. Bâtir, il faut également avoir les matériaux. Et quels sont nos matériaux? Ressources humaines, ressources matérielles. Quels sont nos matériaux? Mais ce que je constate en tout cas, c'est que quand on veut bâtir une maison en un endroit précis, on ne laisse pas les matériaux à distance. Les matériaux sont rassemblés au lieu où la construction doit avoir lieu. Donc, suffisamment de force pour rassembler nos matériaux. Suffisamment de temps pour rassembler nos matériaux. Suffisamment de désintéressement pour mettre en commun nos matériaux. Il n'y a pas que le rassemblement des matériaux. Les plus belles briques du monde, réunies en tas quelque part, ne font pas une maison. Et je dirais que c'est un peu ce qui se passe à notre niveau.
en Afrique francophone. Il me semble que Dieu a quand même placé en Afrique francophone quelques belles briques, des briques capables de monter un mur. Mais ces briques se trouvent éparpillées. Je ne parle pas seulement du point de vue géographique. Et quand bien même ces briques se trouveraient rassemblées comme nous le sommes ce soir, ils sont en tas et pas construits. Il faut donc exécuter l'ouvrage. Et le chapitre 3 de Néhémie est vraiment quelque chose que nous devrions lire. Ce qui me frappe dans ce chapitre, c'est seulement trois expressions. D'abord, avec. Ensuite, à côté d'eux. Et enfin, après lui ou après eux. Nous constatons une chose, c'est que nous ne savons pas travailler avec, nous ne savons pas travailler à côté d'eux, nous ne savons pas travailler après. Et dans ce chapitre 3, vous verrez que avec revient au moins deux fois. À côté d'eux revient au moins 15 fois. Après lui ou après eux revient au moins 16 fois. Et je pense que c'est un des secrets du point de vue humain, de la réussite, du travail que Néhémie et le peuple ont entrepris. Parce qu'ils savent se donner la main, travailler avec. Ils savent se conjuguer. Il y a aussi quelque chose d'intéressant que je souligne dans les noms des gens qui sont mentionnés. Le premier nom, c'est le nom du souverain sacrificateur. Ceux qui viennent après, c'est les sacrificateurs. Si je réfléchis bien, les responsables sont devant. Et dans bien des cas, les projets, les choses que nous voulons entreprendre au niveau des églises en Afrique francophone échouent, non pas parce que les chrétiens ne le veulent pas, mais c'est parce que les responsables ne le veulent pas. Dans le travail, nous devons aussi penser aux obstacles. Et Néhémie a rencontré les obstacles. Il y a eu deux hommes, Sambala et Tobija, qui ne cachent pas leur mécontentement devant le fait qu'un homme soit venu pour chercher le bien des fils d'Israël. L'ennemi des âmes, je nomme le diable, depuis qu'il est au courant que notre rencontre stratégique va avoir lieu, a pris très mal qu'il y ait non pas un homme, mais un groupe d'hommes, tous engagés derrière Jésus-Christ, comme nous le sommes, un groupe d'hommes, dis-je, qui veut le bien de l'Afrique francophone. Parmi ces obstacles, il en est un de taille, qui a été mis en évidence par le pasteur Kassoum Keïta lors de la dernière séance avant que les délégués participent à la Sainte-Cène, repas ultime qui devait sceller les résolutions et ramener chacun au seul vrai point de départ, la croix du Seigneur. Le résultat de cette consultation n'ira pas loin si nous nous méprisons mutuellement. Le mépris à l'égard d'un autre homme à cause de sa façon de vivre, à cause de sa façon de parler, c'est une insulte à l'amour de Dieu. Cela est valable tant bien entre les dénominations, entre les individus, que des fois entre des pays. Toute discrimination raciale ou autre signifie que je ne sais plus voir la personne qui est devant moi, en face de moi, mais le groupe, la race, la nation qui le représente. Je lui mets alors une étiquette qui le classe une fois pour toutes. Je n'ai pas besoin de chercher à le comprendre. En agissant ainsi, je suis coupable et victime à la fois d'un préjugé. Coupable parce que je méprise un homme en refusant de le connaître en tant qu'être humain créé par Dieu et parce que j'ajoute à l'œuvre de division de Satan. Victime parce qu'en faisant ce préjugé, eh bien, je perds ma faculté de jugement. Je cesse d'être une personne lucide pour devenir le jouet d'une mentalité collective. C'est ce qu'on retrouve dans le préjugé de Nathanaël, vous vous rappelez bien, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Nous sommes trop fiers du sang qui coule dans nos veines.
et nous ne sommes pas fiers de notre appartenance à Jésus-Christ. Le sang tribal, le sang national bout plus dans les veines que le sang du Rédempteur, le sang du Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. De quoi sommes-nous fiers? Si nous sommes fiers de notre appartenance à la famille de Dieu, eh bien, tout se ramènera à Christ. Et si nous sommes fiers de notre appartenance à une nation, tout se ramènera à notre nation, alors nous serons un patriote. Les patriotes ont leur récompense ici-bas, les enfants de Dieu ont leur récompense au ciel. Que Dieu soit loué. Seigneur, quel beau matin, quel beau soir ce sera, quand nous serons ensemble tout près de toi, dans le paradis, plein de nos gros ennuis. Nul ne peut dire ce qui fut le plus important, les messages, les résolutions, les débats. Peut-être que l'essentiel s'est passé autour d'une table ou dans la nuit au cours d'une conversation fraternelle. Des amitiés sont nées, des liens solides se sont tissés, des préjugés sont tombés, des initiatives ont surgi. Isaac Zoukoué, vous êtes le coordonnateur de cette consultation. Pouvez-vous déjà nous donner un premier bilan? Y a-t-il déjà des résultats? Le vieil adage dit que l'union fait la force et je crois que c'était le but de cette consultation, permettre aux différents responsables d'église d'Afrique francophone de mettre ensemble leurs ressources, tant humaines que matérielles, en vue de résoudre ensemble leurs problèmes. Alors un premier pas a été fait concrètement dans ce sens, à savoir la création d'un comité qui sera chargé de convoquer la prochaine consultation, c'est-à-dire que l'idée de répéter une telle consultation a été retenue. Donc, il y a un comité qui est formé et le comité aura pour tâche de récolter des informations, de ventiler ces nouvelles à travers les pays d'Afrique francophone et encourager des actions d'évangélisation et des échanges sur le plan spirituel. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher ? Qui nous les fera entendre afin que nous les mettions en pratique ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher ? Qui nous les fera entendre afin que nous les mettions en pratique ?» C'est une chose, au contraire, qui est auprès de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Lorsque s'élèvera dès le cœur une douce mélodie pour ton amour immense, pour notre rachat, pour ton grand pardon. Seigneur, ce sera vraiment très beau. Seigneur, ce...